Julien, dans cette défaite contre Lugano, évidemment, il y a cette pénalité de 5 minutes qui vous coûte assez cher. Mais malgré ça, en tout cas, du haut des tribunes, on avait l'impression qu'il y avait autre chose qui était possible. Ouais, c'est vrai qu'on avait, je pense, des occasions et puis la possibilité de remporter les 3 points ce soir. Malheureusement, on a fait le même schéma que les deux premiers matchs. On a assez bien commencé dans le deuxième tiers, on s'est un petit peu écroulé, on a complètement passé à côté et puis on a dû revenir au score. Ce soir, on a réussi à revenir à 3-2. Mais ça n'a pas tourné dans notre sens, donc il va falloir apprendre. Je pense que ça fait 3 matchs de suite qu'on fait la même chose. On s'en est bien sorti les 2 premières fois, mais ça va être compliqué si on fait ça à chaque soir. Et puis on a vu en fin de partie aussi de la frustration qui est arrivée chez certains joueurs, même certains joueurs expérimentés. Comment vous expliquez ça? Bah, bien sûr qu'on a envie de gagner et puis on est frustré. Je crois qu'on n'a pas eu de power play ce soir alors qu'on a fait beaucoup de 4 contre 5. Donc on espère toujours que ça tourne ou bien qu'on ait un power play. Et puis voilà, je crois que... On doit apprendre de nos erreurs. On a gagné les 2 premiers, c'est très positif. Aujourd'hui, on descend un petit peu sur terre et puis on a une grosse semaine qui s'annonce, donc pourquoi on repart direct. Hol dir jetzt dein Abo. MySports, das ist Hockey.